Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de cette carrière à Race Room. On se retrouve aujourd'hui sur le mythique 8 de Suzuka pour cette saison de Formule 2. Vous l'avez sans doute constaté à l'issue de la vidéo précédente et du classement, le jeu a décidé de ne pas compter mes points. Donc je suis resté bloqué à 35 unités et on va donc voir comment ça va se passer dans cette course aussi. Je ne vais pas me réattribuer mes points. Le jeu a décidé de bugger, on va dire que c'est acceptable, même si c'est un peu limite, je trouve, de la part d'un jeu de ne pas compter les points du joueur pendant une saison. Donc on est, pour éviter ce genre de problème, on est reparti sur une nouvelle course, donc l'avant-dernière de la saison ici à Suzuka, avant la finale au Slovakia Ring. On va tout de suite partir pour la Q1 avec notre Formule 2. C'est parti, on ne perd pas une seconde de plus ici au Japon. Allez, on chauffe les gommes, on quitte les box et c'est parti pour le tour de mise en température. On se retrouve face au chrono. On laisse filer la voiture devant nous. On sort de la chicane et c'est parti. On s'élance. Premier tour chrono dans cette Q1. Alors on ne déclenche pas avant les emplacements de la grille de départ, mais bien ici le chrono, et il se termine également au même endroit. On rentre dans le premier droit. Un petit peu large, mais c'est pas grave. Très fluide dans les S, tout en troisième dans cette Q1. Et en 4, la remontée toujours. On freine en deuxième pour le second droit d'Egner. Difficile de passer la puissance à la sortie du deuxième droit. On quitte l'épingle, ça s'est bien passé. Pour l'instant, un tour sans gros problème. Et on rentre en troisième dans l'épingle de Spoon. La réaccélération. On va peut-être pouvoir aller chercher d'ailleurs l'aspiration du garçon devant nous. Et on est en avance d'une seconde 3. En même temps, on n'a plus beaucoup de carburant. Allez, on reste souple en deuxième. Essayez de ne pas perdre trop de temps. La réaccélération. Et ici, on continue, on continue. Et 1:44.822. Pour le moment, on est en tête, mais ça reste la Q1. Ça va donc évidemment step up au niveau du rythme de nos adversaires. On continue. Et dans cette deuxième séance, on quitte la voie des box avec une piste libre devant nous. Et on va tenter de se mettre donc dans les 8 meilleurs pilotes pour atteindre la Q3. Freinage un peu compliqué à la chicane pour se lancer dans notre tour chronométré. C'est parti. Et on plonge dans le double droit. On reste en 3, on va pas mettre la 4, ce serait perdre du temps de monter et descendre de vitesse. Essayer de garder un petit peu de fluidité dans le volant. Pour l'instant c'est impeccable, ça répond à mes attentes. Un petit peu de sur-régime. En quatrième pour le premier d'Egner. En deuxième pour le second. Toujours la réaccélération un petit peu délicate sous le pont. Allez, en première à l'épingle. Attention au passage de la puissance de ne pas partir en tête à queue. Attendre d'être bien droit dans l'axe.
petit peu large dans Spoon. On doit attendre un peu avant de relancer la puissance. Attention, plus beaucoup de carburant, mais c'est normal, on est en qualif, on roule avec le minimum. La dernière accélération dans cette Q2. Et 1:43,897. Et bien voilà. On va voir un petit peu ce que cela va donner à l'issue de cette Q2. Et le feu vert dans cette pit lane pour libérer les 8 pilotes qui vont déterminer les 4 lignes de la grille de départ de cette 4e manche de la saison. On en fait partie, on termine notre tour de chauffe et de mise en place et on se retrouve face au chrono. Relance de la machine à la sortie de la chicane. On essaie de réaccélérer le plus tôt possible et on s'élance face à la montre. On enchaîne les S sans aucun problème. De sous-virage dans la montée, mais c'est pas trop pénalisant pour nous. Hop, failli se faire avoir là en off-track. Oh, les deux dernières ont été compliquées. Hein. On a perdu du temps et on s'est fait une belle frayeur à l'épingle maintenant. Toujours sans problème. On réattaque la grande courbe qui nous ramène vers le double gauche de Spoon. À fond de cinquième. Ici, ça passe tout juste. Manque de prendre peut-être à off-track, mais toujours deux roues sur la piste, ça passe. Allez, on continue ce très bon tour dans cette Q3. Indique bien qu'au niveau du carburant c'est compliqué, mais on aura assez pour terminer notre tour. Grosse frayeur à la réaccélération, on a encore perdu quelques dixièmes, on va voir si ça suffit tout de même pour aller chercher une éventuelle pole position. Et 1:43,927. Bon, écoutez, on verra si ça suffit. En tout cas, on se retrouve ensemble pour découvrir la grille de départ de cette manche de Suzuka. Et c'est une première ligne 100% belge à Suzuka avec donc Lux qui sera à nos côtés. On a donc signé la pole position, 3e place pour Napoli, Sanchez et 4e Gentile et notre équipier 5e l'italien Jacobsen, le danois est 6e, 7e place pour d'Orléans le français. Et il faut tomber assez loin pour retrouver les hommes de la tête du championnat, 11e place pour le pilote suisse Langer, la 13e pour Innocenti, c'est un petit peu une catastrophe. Le Britannique Davis est 15e aux côtés de la tour, le Français 16e. Ça nous promet donc une course avec une remontée pour les favoris. On découvre ça tout de suite ici à Suzuka. On est très timide à l'extinction des feux. On essaie de ne pas trop se laisser déborder. On est à l'extérieur pour fuir en cas de dive bomb. Allez, peut-être à l'extérieur, et Lux qui perd la tête, c'est Napoli, l'italien, qui s'impose à la sortie des deux premiers droits. Oh, il y a un pilote qui va au large, c'est Sanchez, et il va emmener notre équipier dans le gravier. On va essayer de le déborder, et Gentile, ça passe face à notre équipier. Et on termine le passage DS avec une 4e place, mais on s'en est bien sorti. Hein. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué après un départ, on a pas mal patine. Attention parce que Gentile est derrière, a envie de jouer sa carte. On serait à moins. Oh, ça sort très large pour Sanchez. Et on va pouvoir aller attaquer à l'épingle le pilote brésilien. Oh, il referme
un petit peu la trajectoire sur notre voiture. Est-ce qu'on peut toujours avoir l'avantage à la relance de l'épingle avec Sanchez? C'est passé, P3 maintenant. Troisième place. Alors certains d'entre vous auront peut-être constaté avec votre œil aguerri ce qui se passe sur mon tableau de bord avec plus de 110 litres de carburant. Effectivement, on a osé une stratégie un peu particulière ici à Suzuka. En voulant éviter d'être pris dans le trafic, on va partir avec le plein, on va rentrer et simplement mettre un litre d'essence, comme le veut la réglementation. Et voir si on peut en profiter de la sorte. À l'extérieur sur Lux, dans la chicane. Oh, si ça peut passer, c'est bien joué. Et bien voilà, on efface notre compatriote et on termine le premier tour de cette manche de Suzuka au deuxième rang, derrière Napoli. On constate que notre équipier est toujours cinquième, derrière Sanchez et devant Jakobsen. Et bien maintenant, il faut instaurer un rythme correct pour éviter de se faire piéger avec l'usure des pneumatiques. Et la température qui pourrait grimper et nous piéger. On est deuxième, on est bien au championnat face à Innocenti. Hein. On rappelle l'Italien qui mène pour l'instant les débats avec 43 unités, là où nous en avons 35. On fera évidemment les comptes à la fin de l'histoire, mais pour le moment... on se concentre sur la voiture devant nous et surtout sur le rythme à instaurer dans cette épreuve. On a une belle avance de quasiment 2 secondes sur notre équipier Lux de l'équipe Castrol Motor Oil. On va voir si on peut peut-être titiller Napoli. Alors on sait qu'ici, voilà, le deuxième gauche de Spoon, c'est assez particulier pour certaines voitures qui ont tendance à survirer et à corriger. Et si vous êtes bien placé derrière, on pourrait peut-être avoir une opportunité d'attaquer la monoplace de Napoli, qui pour l'instant est le pilote de tête. On le rappelle, deuxième tour bientôt couvert ici à Suzuka. Et on ne prend absolument aucun risque. On essaie de garder la maîtrise de la voiture. Peut-être s'octroyer un tour le plus rapide, on verra bien. Ce sera d'office de toute façon Napoli qui s'en empare. Et on le bat, 1.48.180. On tourne plus vite. Bon à prendre dans notre escarcelle, même si ça ne ramène pas de points. Point d'ailleurs qu'il va falloir compter hein, à l'issue de cette quatrième manche, parce que là, si Innocenti reste tout comme la tour assez absent du haut du tableau final, ça pourrait nous donner une opportunité de revenir dans la course au championnat avant la Slovaquie. Je rappelle donc 25 minutes de course hein, avec un arrêt au stand obligatoire. La fenêtre d'arrêt ouvre, je crois, à 17 minutes de la fin de l'épreuve. On s'est rapproché de Napoli. Et on met en 6 pour soulager. On va pas non plus aller essayer de le mettre dehors, mais peut-être une petite pression à instaurer sur l'Italien. Voilà, l'ouverture de la pit lane à 17 minutes. On va voir à quel moment on plonge par rapport à Napoli. 3 secondes 9, 4 presque sur Lux. Ah oui, on est en train de dérouler en tête. Mais on conserve les gommes, on fait bien pour l'instant. On est juste derrière le leader, on fait pas de bêtises. Alors que Napoli va peut-être même protéger un peu à l'intérieur. Il n'est pas sur la trajectoire idéale la plus propre. On améliore ni l'un ni l'autre le chrono. En tout cas, le meilleur de la course. Les écarts s'affichent sur le bas de l'écran. Vous les avez entreaperçus. Et on a envie d'aller chercher Napoli.
Ça nous ferait 7 unités supplémentaires et on en aurait bien besoin. Pour l'instant, on en marque 18. Regardez cet écart face au reste du peloton, absolument hallucinant. On se rapproche. On surveille également la consommation de carburant, 95 litres dans la voiture. Oh, et là c'est nous qui sommes un petit peu en train de sous-virer dans le deuxième gauche, peut-être un petit peu déventé. On ne se pose pas de questions du côté du leader Napoli. Hop, voyez, le petit survirage à éviter à tout prix. Oh, on est en train de survoler le peloton. Le décrochage dans la remontée. Et la fenêtre des box qui est ouverte, on peut désormais rentrer. Allez. Oh, on n'est pas encore en état d'aller chercher. Ah, peut-être ici. À l'extérieur, c'est beaucoup trop risqué avec le gravier si on se rate. Un peu tard sur les freins, pourquoi pas, on va tenter. On a plus été pénalisé qu'autre chose en prenant un paquet de dixièmes de retard sur le leader. 5 tours couverts donc pour Napoli toujours. Jacobsen 7e, Oshima est repassé. Ah, Dorléans qui est 9e, la tour 13e. Innocenti qui n'est pas là du tout. J'ai pas vu Innocenti du tout dans le classement. Ça explique d'ailleurs pourquoi j'étais faire un petit tour à l'extérieur dans les S. C'est jouable, non ? Peut-être un peu fébrile. Là, on sait qu'on est plus rapide. La chicane après le 130R et l'épingle, on sait qu'on est plus rapide. Là aussi, on le touche. Oh, il s'est loupé complètement. Il s'est complètement loupé. Et il s'arrête maintenant. Oh, quel dommage. Napoli qui... C'est loupé, on l'a touché. On va pas l'attendre non plus, mais... Incroyable. Napoli qui se retrouve désormais à 3 secondes. Il s'est arrêté devant moi, il s'est loupé, j'ai pas pu l'éviter.
Ah, quel dommage, on avait une belle bagarre qui se profilait. Ah, du coup, ça rentre pour Napoli, évidemment, après cette touchette. Bon, la voiture n'a pas l'air d'être endommagée. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi penser tout doucement à notre arrêt au box, puisqu'il nous reste jusqu'à 9 minutes pour stopper. On a encore 4 à peu près, un peu plus. Ah, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Honnêtement, j'étais à l'intérieur, j'ai peut-être été un peu large, mais il s'est complètement loupé. Pas top sur ce coup-là. Allez. On va pas tarder à rentrer au box, du coup, vu qu'on ne remet qu'un litre de carburant, ça ne changera pas non plus complètement le comportement de la voiture. Et à découvrir donc la procédure de départ. Allez, on rentre. On remet notre litre de carburant. Et on repart. On n'était pas très réactif là sur l'arrêt. C'était pas simple là, cet arrêt au box. Toujours des moments difficiles. Allez, on est dans le peloton maintenant. Sixième, la chance qu'on a, c'est que pas mal de gens autour de nous ont également opté pour un arrêt au box. Au même moment, donc on n'est pas non plus retombé dans les profondeurs du classement avec des pilotes en difficulté. On est entouré de pilotes qui ont là à peu près la même capacité que nous à réagir. Mais désolé pour l'absence de parole pendant la procédure d'arrêt, mais je ne voulais pas la louper parce qu'on sait que dans Race Room, il n'y a pas beaucoup de défauts sur ce jeu, mais une chose qui est toujours inacceptable en 2017, c'est le côté validation, enfin l'ergonomie de l'arrêt au box. Fermeture de la fenêtre dans 3 minutes. Il va rester encore 2 passages par le transpondeur au pilote pour essayer de s'en sortir. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'extérieur à Romero? Oh oui, magnifique! À l'extérieur, à l'épingle! Ah, il nous touche! Ne dites pas qu'il ne m'avait pas vu quand même! Honnêtement, je pensais que Romero m'avait vu, j'étais à l'extérieur. J'ai pas refermé du tout. La vue télé sera là pour juger, mais... Honnêtement, j'étais bien sur ma droite, bien rabattu, je n'en demandais pas plus. Ça passait déjà à l'extérieur. Allez, il reste 10 minutes. 10 minutes dans cette quatrième manche. On est cinquième pour le moment. Un peu plus tard. Et la réaccélération. Napoli qui est derrière. Il est 7ème. Napoli à 1 seconde 8. La tour Jacobsen. Tout ça c'est au box. Tout ça c'est au box. Et on reprend donc la tête de course devant donc potentiellement Napoli. Et Napoli à 3 secondes. Sanchez. Oh, la Lux qui a pris beaucoup de temps de retard. Il est sa 5ème à 6 secondes maintenant, le pilote belge. Pas toujours simple, hein, pas toujours simple, alors que Napoli et Sanchez sont à la bagarre. Hein, le duel italo-brésilien. Et Oshima qui, devant son public, semble faire un bon meeting. Oh là là, j'étais un peu limite là sur les freins dans le deuxième Degner. C'est pas grave, on est en tête, c'est le principal.
une minute avant la fermeture des box, donc à mon avis tout le monde a déjà pris son passage en compte. Il y a plus grand monde qui doit rentrer, je pense. Et on dispose désormais d'une avance correcte, je dirais pas confortable, mais correcte sur Napoli, Sanchez, Oshima et Lux. Alors à voir maintenant au passage du transpondeur ce que va nous donner comme information le classement général avec la position de l'Italien Innocenti, le leader de ce championnat. Le vibreur à la chicane en première, toujours un moment délicat. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'aller chercher un potentiel record du tour ? Ah si, 1.46.3 pour nous, 9e tour couvert ici à Suzuka. Et la fenêtre des box est désormais fermée. On voit que d'Orléans est 8e. Innocenti est, je crois, au 11e ou 10e rang. Donc à la porte des points, l'Italien. Pour l'instant, on en reprendrait 25. Ça nous mettrait, je pense, sauf catastrophe, en tête du championnat, puisque Latour, le pilote français qui est également l'un des hommes forts de ce championnat, eh bien, est aussi relégué aux accessites. Obligé de repasser en deux dans Spoon avec le sous-virage. Allez, depuis le passage précédent, nous avons gagné quasiment une demi-seconde d'avance sur Napoli, l'Italien. Et Oshima qui peut-être en passe d'aller chercher un podium à la maison. Ça lui ferait du bien au général. 6 minutes. Nous sommes à 6 minutes du drapeau à damier pour peut-être une victoire en Formule 2. Elle ferait du bien, hein, celle-là. Au moral et au compteur du classement pilote. 10 tours couverts. Il reste 49 litres de carburant. Ça devrait normalement sans problème arriver au bout. Et à 5 minutes 30 de la fin de cette manche, on peut peut-être s'attarder sur les pneumatiques. Ils sont en usure x2, je rappelle, et on devrait avoir peut-être quelques petites dérobades en fin d'épreuve. Et on rappelle qu'une faute peut peut-être nous reléguer un peu plus loin. Donc on va essayer de ne pas porter le mauvais œil sur notre leadership actuel, mais attention tout de même à ne pas en faire de trop. Rester constant comme ce que l'on faisait derrière Napoli en début d'épreuve. Et la descente maintenant, suivie de la relance. 5 minutes au chrono, on commence à y croire. 130 R qui passe encore facilement. Oh bah, je vous le disais. Regardez, je vous le disais, la petite faute à ne pas faire. On a perdu la moitié de notre avance sur Napoli. Attention, et là, c'est tout seul comme un grand. Hein. Je ne dois en vouloir à personne. Comportement de la voiture à surveiller. Ne pas se laisser emporter par le rythme. Innocenti 11e, voilà, c'est ce que je vérifiais. Et la tour 13e, on est bien, on est très très bien pour aller mettre les pendules à l'heure. Ah, face à Innocenti, vous l'avez senti le sous-virage, il était là.
Ah, on est fébrile sur l'accélérateur et c'est ça le piège. 3 minutes 45, on y croit. On va aller s'imposer ici sur le 8 de Suzuka, je vous le dis moi. Allez, on est remonté à 3 secondes 3, la bagarre avec Sanchez pour Napoli nous aide à de nouveau nous extirper de la tête. Et surtout, remettre quelques dixièmes entre nous et le peloton de chasse. On sort de Spoon. Et on va avoir largement assez de carburant pour aller au bout de cette épreuve. Ça, c'est certain maintenant avec les 37 litres restants dans la voiture. Attention aux gommes. On vient encore d'avoir une belle frayeur au freinage de la chicane. 2 minutes 50. On est dans l'avant-dernière boucle. Et on s'empare du tour le plus rapide. Dans cette 12e boucle de cette épreuve. Ah, c'est pas mal, on est pas mal. On est souple, on est régulier, on essaie de ne pas trop se faire piéger par les gommes qui perdent énormément en grippe, le train avant est devenu assez incertain. Oh là là, oui, vous voyez que c'est... ça bouge, hein, ça bouge au train arrière. Les marges avec l'erreur se réduisent, il ne faut pas la faire cette erreur. Avant-dernier passage dans l'épingle, il reste 2 minutes au chrono officiel. On va entrer d'ici quelques instants dans la dernière boucle. Avec une avance remontée après notre erreur. On était descendu à 2 secondes 3, on est remonté désormais à près de 5 secondes d'avance sur l'Italien Napoli. Centre en terre, la chicane, attention. Regardez, on a beau prendre les précautions, les roues avant bloc, et allez, on relance, on va peut-être remettre, voilà, directement en troisième, on prend aucun risque dans cette dernière boucle, voilà, une minute exactement avant la fin de cette quatrième manche, voilà, passage du transpondeur pour entamer le 14e et dernier tour, on va y arriver, on va la terminer cette épreuve. Ah, on aura souffert, mais on va la gagner. L'arrêt au stand était loin d'être tip-top, on a perdu pas mal de temps. Je me tais, je suis concentré, vous n'avez pas idée. La dernière épingle pour aujourd'hui, alors que Napoli est deuxième, Oshima s'est hissé au troisième rang. Et ensuite, il y a un gouffre entre lui et le pilote belge Lux. Drapeau à damier, officiellement, le chrono est terminé. Allez, il va nous rester peut-être trois virages et une ligne droite. Et on en aura fini. 25 points pour nous face à Innocenti. De quoi nous relancer plus que dans la course au titre. Et le Belge Lux qui sera donc quatrième, pas mal devant Gentil et notre équipier cinquième. Voilà le freinage de la chicane. On prend tout notre temps et les précautions nécessaires pour réaccélérer et aller cueillir le drapeau à damier en deuxième, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait. On s'impose à Suzuka dans cette quatrième manche. Victoire ici devant Napoli et Oshima. Donc on va remettre le classement officiel. Donc visiblement, on a remporté cette course. Devant l'Italien Napoli, Oshima, le régional de l'étape termine 3ème, 4ème place pour Lux, le Belge. Notre équipier sera donc 5ème, 6ème, Jacobsen. Si on cherche les hommes de tête du championnat, il faut remonter
très très loin, 22e place, dernière place pour la Tour le Français, et Innocenti est 10e, donc il marque quand même un point. On fait le classement général. Évidemment, la bonne surprise dans ce classement, c'est que nous sommes en tête face à l'Italien Napoli et Innocenti. On a pris assez d'avance pour pouvoir gérer lors de la dernière manche du côté du Slovakia Ring. D'Orléans est 4e, Oshima 5e après son bon meeting à la maison, Sanchez 6e devant Jacobsen le Danois, et enfin Gentil, Latour et Langer le Suisse. Voilà donc pour le top 10 de cette compétition. On se donne rendez-vous très vite, je l'espère, pour vivre la finale de cette saison assez rocambolesque. Ce sera donc du côté du Slovakia Ring en Slovaquie. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité à cette série, cette carrière Race Room. On se donne rendez-vous donc très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quelle que soit votre simulation favorite. À la prochaine, salut !